J'ai l'impression que l'intégration des étudiants autochtones au milieu de l'université est assez difficile, du simple fait qu'on les voit pas beaucoup, sont peu visibles en général, que ce soit surtout, mettons, dans la vie étudiante ou dans les festivals étudiants, on n'en voit pas beaucoup, puis il y en a même qui sont même pas au courant, je crois qu'il y a des étudiants autochtones. Et à mon avis, ça vient du fait que peut-être qu'il y a des préjugés qui vivent ou un manque d'ouverture. Et de ce que j'ai pu voir dans les cours où que j'étais avec des étudiants autochtones, c'est souvent les étudiants allochtones qui doivent faire les premiers pas pour aller les voir. Donc, ils sont un peu réservés. C'est jamais les étudiants autochtones qui vont venir nous voir pour être en équipe, mais le contraire. Et ça fait en sorte aussi que en tout cas, de ce que j'ai vécu, les seuls endroits où que je pouvais voir des étudiants autochtones, c'était au sein des cours. Et donc, en ce sens, les cours, c'est vraiment le lieu où on peut rentrer en contact avec eux. À l'extérieur des cours, en tout cas moi, je vois très peu des étudiants autochtones. À mon avis, il y a plusieurs différentes choses qui pourraient être faites pour améliorer l'intégration des étudiants autochtones, entre autres, et pour avoir peut-être plus d'événements culturels à l'université, pour avoir des formations, peut-être aussi dans les cours, une plus grande valorisation de se mettre en équipe avec les autochtones. Et en fait, il y a plein de choses qui pourraient être faites. Cela dit, il faut s'assurer vraiment de respecter le rythme d'intégration que les étudiants autochtones ont besoin. Il ne faut pas trop aller vite non plus parce que ça pourrait nuire en fait à leur intégration. Une autre chose aussi, je sais qu'il y a un centre des Premières Nations, Nikanté, à l'UQAC. Moi, j'en ai pas vraiment entendu parler. Ça me porte à croire que peut-être les étudiants autochtones ne sont pas très au courant. Du fait qu'il y a un centre de Première Nation et du fait même qu'ils ne vont pas rechercher les ressources qui sont disponibles pour